Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to many subscribers. Thank you for subscribing. Aujourd'hui, sur cette vidéo, on va parler d'une marque très, très spéciale pour moi. Une marque qui m'a beaucoup, mais beaucoup aidée dans une période très difficile pour moi quand je souffrais d'acné, de boutons et de taches d'hyperpigmentation. En tout cas, ça a vraiment très, très bien fonctionné. Mais en fait, je vous en parlerai sur cette vidéo. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, je vais juste vous dire que je souffre d'acné hormonale. Donc, ça a des périodes où ma peau, elle est bien en fait. Il y a des périodes où j'ai beaucoup d'acné. Donc, ça dépend en fait des périodes et ça dépend aussi comment est-ce que je traite ma peau, comment je prends soin de ma peau. Mais la plupart du temps, quand je suis stressée, voilà, les acnés sortent en fait. L'acné sort et ça me laisse avec plein de taches. Plein, mais quand je vous dis plein de taches, et ça m'est arrivé deux fois. Alors, quelques années passées, j'ai souffert d'acné hormonale dû au stress. Il y a eu un problème dans ma vie, il y a eu quelque chose, un souci dans ma vie. Et c'était par rapport à ça que j'ai eu ce problème d'acné sur tout mon visage. Donc c'était juste terrible. Alors pendant cette période-là, j'ai essayé de chercher des produits naturels, j'ai essayé d'arrêter de me maquiller, j'ai essayé d'arrêter tous les produits que j'utilisais et rien ne marchait pendant au moins 3 mois et le cas en fait s'aggravait. Et je me rappelle qu'au travail, comme je travaille dans l'industrie de la beauté, maquillage, tout ça, il y a une collègue à moi, chaque soir elle se démaquillait. Après, juste après le travail, dès qu'on fermait la boutique, elle se démaquillait, elle disait « Oh, je ne supporte plus le maquillage. » Et moi, je lui disais « Ok, de toute manière, tu n'as pas besoin de te maquiller, tu as une super belle peau. » Et là, elle me regarde, elle me dit « Bah, j'ai souffert en fait pour avoir cette belle peau. » Après, j'ai fait « Ah bon ?» Parce qu'en fait, elle n'avait pas de tâches, rien du tout. Sublime, sublime. Donc là, elle me montre une photo d'elle, je pense, 2 ou 3 ans passés. La catastrophe. Elle avait des boutons là, elle avait des cystes, je pense, des boutons, mais super gros sur le visage. Elle avait des taches partout et j'étais juste choquée en la regardant. Et là, je lui demande, mais qu'est-ce que tu as utilisé? Parce que moi, j'ai des boutons ces temps-ci. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais t'as rien, je vois rien du tout. Après, je lui ai dit, ben non, moi, en fait, mes boutons, genre, j'ai 2-3 boutons. Après, ça sèche en, je sais pas, 2 jours et ça me laisse beaucoup de taches. Après, elle a dit, oui, en fait, moi, j'ai fait une cure de Roi Aquitaine. Pendant 1 année et demie. Après, j'ai fait « Ok, Roi Aquitaine, je ne connais pas. » Après, j'ai juste entendu et en fait, ça ne m'a pas vraiment intéressé. Voilà, j'ai juste laissé parce que je me disais que moi, mon acné allait passer en fait. Voilà, c'était juste une petite période, rien du tout. Hein. Une petite période qui allait passer. Voilà, ça arrive quelquefois dans la vie. Et je me rappelle encore une fois, j'avais une prestation. Je maquillais une jeune fille, je pense qu'elle avait entre, je pense, 22 ans, quelque chose comme ça. Et puis, sa mère était à côté. Et c'est sa mère qui l'avait offert la prestation. Et là, sa mère l'a regardée. Elle était super contente pour elle. Après, moi, on a commencé à se parler. Et puis, en la maquillant, je lui dis, ben, t'as une super belle peau, tout ça. Waouh, tout ça. Et sa mère, elle me dit, mais elle n'était pas comme ça. Après, j'ai fait, ah bon? Ben, j'étais un peu choquée, là. Et là, elle me dit, bah oui, moi, en fait, dans ma jeunesse, j'étais une personne qui avait beaucoup de boutons et j'ai beaucoup souffert. Et là, ma fille aussi, pendant sa puberté, elle a commencé à avoir des boutons et je ne voulais pas qu'elle ressente ce que j'avais ressenti quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai cherché une solution et j'ai trouvé que Roi Aquitaine, c'était bien pour elle. Et elle était sous cure pendant 2 ans. Et maintenant, sa peau, elle est juste magnifique, tout ça. Et là, j'ai encore entendu Roi Aquitaine. Et après, je me suis dit, ok, ce truc-là, bon, c'est intéressant. J'ai complètement oublié. Et là, il y a des semaines qui passent, ma peau ne s'améliore toujours pas. J'ai toujours des problèmes. Et un jour, un beau jour, je me réveille comme ça. Je suis en train de me maquiller. Et là, je remarque que j'ai des taches partout, sur tout le visage. Donc, j'avais des taches partout. Il n'y avait même plus... On dirait que ma peau... On dirait qu'on ne pouvait plus voir ma peau, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Je vais chercher une photo, si j'ai une photo. Et là, je me dis, non, là, j'ai un problème, là. Là, il y a un souci.
Je pars vite fait chez ma sœur et je lui dis, regarde mon visage. Parce qu'on ne s'était pas vu environ pendant 2 semaines à 1 mois. Et là, ma sœur, elle me regarde, elle me dit, mais ouais, là, va voir le médecin parce que là, ta peau, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as utilisé? Tout ça, j'ai dit, non, ben, j'ai rien utilisé de, voilà, de fort, de très actif. Je te dis, je suis en train de tester les trucs naturels. Et là, je pars directement, je prends un rendez-vous avec le médecin. On m'avait dit, après j'appelle ma copine, ma collègue, et elle me dit, non, ça fait ça, ça fait ça, ça, ça fait des recherches, tout ça. Elle m'a dit, c'est la meilleure solution pour tes boutons, tout ça. Et là, je prends rendez-vous avec un médecin. Mais ma collègue m'avait dit que ça prenait vraiment du temps. Et là, j'étais déjà soucieuse. Et là, le stress, mon stress avait doublé parce que ma collègue m'avait dit que ça prenait vraiment du temps, peut-être 3 mois avant qu'on me mette sous cure. Donc là, je stresse, je prends rendez-vous et on me donne rendez-vous 2 jours plus tard. Je vois le médecin et ma collègue m'avait dit, tu veux être sous cure de Roaccutane. Et là, je vois le médecin, il me dit, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Je lui dis, non, j'ai besoin de cure, regardez mon visage. Il me dit, oui, vous avez besoin de cure. Et là, on m'envoie chez la derma et on m'avait dit que ça prenait environ peut-être 1 mois à 3 mois. Mais moi, j'ai eu un rendez-vous très, très vite en 1 semaine. Donc, j'ai vu la derma et je vais vous dire, le jour de mon rendez-vous, j'avais aucun bouton, même pas un petit, j'avais rien du tout. C'est juste que j'avais plein de taches sur le visage. Je me suis dit non, elle ne va pas me mettre sous cure. Et là, je vois la derma, je lui raconte ce qui se passe, tout ça. Et je lui dis le problème, en fait, ce n'est pas vraiment les boutons. Si c'était juste les boutons, là, vraiment, je n'aurais pas demandé cette cure. Mais les boutons me laissent avec des taches. Et ces taches-là, c'est très difficile pour que ça s'estompe, en fait. Et là, elle me dit, oui, là, le Roaccutane marche, fonctionne. Et on le donne pour les gens qui ont des boutons, cystes, tout ça, l'acné et aussi l'hyperpigmentation. Et là, elle me dit, ok, je te mets sous cure parce que là, tout ton visage est... Tu vois que, oui, tu as vraiment besoin de Roaccutane. Et là, elle me demande, après, je fais tous les tests qu'il faut, tous les examens. Et là, elle me donne une cure de 25 mg par rapport à mon poids et mon âge. Et j'étais super contente. Donc, elle m'a dit de faire Roaccutane pendant 6 mois à 1 année. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, c'était plus le problème des taches. Donc, en 1 mois, j'avais aucun bouton. Plus aucun bouton ne ressortait, en fait. Et après 3 mois, parce qu'elle rajoutait, en fait, les milligrammes. Donc, après 3 mois, donc j'ai commencé avec 25 milligrammes. 25, après, j'ai fait 30. Et après, j'ai fait 35 au 3e mois. Et là, j'avais plus de taches d'hyperpigmentation, j'avais rien, ma peau elle était nickel, propre, une peau de bébé, je sais pas comment vous expliquer, mais ma peau elle était super belle, elle s'améliorait, donc c'était un truc de dingue. J'ai eu quelques petits size effets, comment on appelle ça, quelques petits retours négatifs, mais c'était pas trop grand. Et au 4e ou 5e mois, elle m'a mis sur 40 mg. Et là, je me suis dit, j'en avais plus besoin parce que pourquoi faire une cure? Mais ma peau, elle était tellement très, très belle. Donc, je lui ai dit que... Et après, il y avait un petit truc qui s'était passé. Mais après, je lui ai dit, non, je vais arrêter. Ça ne sert plus à rien. Elle m'a dit, ok, arrête. Mais moi, je te conseille 6 mois. Quelquefois, l'acné peut revenir. Donc, c'est pour ça que je te dis 6 mois à 1 année. Et là, je me dis, non, ça va. Je vais arrêter. Donc, j'ai arrêté. Et ma peau, elle était très, très bonne, saine. 6 mois. Pendant 6 mois. Et après... Pendant 6 mois, j'ai recommencé à avoir des petits boutons pendant mes périodes de règles, mais qui ne me laissaient sans taches. Voilà. Après cela, ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, il y a encore un événement qui s'est passé et j'ai eu le stress, un stress et les boutons en fait ont recommencé. Parce que pendant le confinement, je ne me maquillais pas, je ne faisais rien du tout, on était à la maison, je prenais même soin de mon visage. Le truc c'est quoi? C'est que je suis partie, la première fois que je suis partie en grande surface, j'ai vu en fait la queue. Et là, je me suis dit, là, c'est la fin du monde. Hein. Là, je vais mourir toute seule. Parce qu'en fait, je n'étais pas avec ma famille. Et puis, je me suis dit, en fait, ça m'avait stressée. C'était comme dans les films Armageddon, je ne sais pas, de fin du monde. Donc là,
J'étais stressée et en une semaine, ma peau, elle s'est abîmée totalement. Alors là, j'appelle pour prendre des rendez-vous. Il n'y a rien. Je galère, je commence encore à chercher des trucs naturels, tout ça. Et puis, je commence à faire des recherches sur YouTube, Internet. Et là, maintenant, je suis tombée sur une vidéo d'une jeune femme, en fait, qui fait sa routine de soins visage. Et elle parle de ces produits que je vais vous proposer. Et là, maintenant, je regarde sur le site de la marque. Et là, je vois que la marque n'expédie pas, en fait, leurs produits en Angleterre. Et là, j'étais dégoûtée. Ce que je fais maintenant, je force de prendre rendez-vous avec la dermatologue, tout ça, je force, et je prends rendez-vous, et là, on me donne une date, mais super loin, je la prends quand même, et je me dis, je prends en fait, je vais pas laisser, et j'essaie maintenant de contacter des personnes que je connais qui vivent aux États-Unis, parce que la marque, elle est dans les îles caribéennes, Je prends un contact, donc j'achète le produit arrive chez la personne aux États-Unis et là, elle doit me l'envoyer, mais la personne, elle prend encore du temps pour me l'envoyer et là, je galère. Donc, mon rendez-vous arrive pour voir le derma et donc, il me restait un mois avant de voir la derma et puis, mes produits sont arrivés et là, j'ai commencé à utiliser ces produits-là. Et ça a super bien marché, j'étais super contente. Le jour de mon rendez-vous chez le derma, je me suis dit, c'est pas la peine. Quand je l'ai vu, tellement que ma peau avait amélioré, parce qu'en fait, je voulais vraiment pas partir, le truc c'était quoi? C'est que je voulais pas vraiment reprendre la cure de Roaccutane, parce qu'il y a des petits... C'est trop long en fait, après il faut voir le médecin, il faut voir la sage-femme, c'est un long process et après il y a plein de trucs à faire. Donc je voulais juste pas, je voulais juste plus. Et là je vois la derma et je lui dis j'ai plus envie, je suis vraiment désolée, ça a pris trop de temps, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Et là je lui ramène aussi ces produits que j'ai, elle regarde, elle dit oh c'est des bons produits. Elle m'a demandé tu veux toujours faire la cure, je lui ai dit non. Je lui ai dit peut-être plus tard, mais là, je vais d'abord voir si ça va vraiment bien marcher, mieux s'améliorer pour ne pas prendre la cure. Après, voilà. Donc, voici les produits. J'ai deux produits maintenant. Donc ça, c'est les produits de ma deuxième commande. J'ai fait que deux commandes parce que ma première, quand je l'avais fini en combien de temps ? En 6 semaines et après j'ai recommandé, ça avait pris encore du temps vu que ça passait par une autre personne pour venir ici en Angleterre et cette deuxième commande en fait j'ai utilisé seulement pendant 2 semaines et après j'ai arrêté parce que ma peau elle s'était améliorée. Je me suis dit j'ai pas envie de trop forcer en fait et je garde juste ça à côté au cas où. Je vais vous mettre les photos des produits que j'ai achetés, que j'ai commencé avec, parce que j'ai fait des recherches sur YouTube sur ces produits là et j'avais vu quelques vidéos, il y avait vraiment des revues négatives, mais je me suis dit je tente le coup. Mais moi ça a super bien fonctionné, je fais des recherches à fond je vous dis et j'ai su comment utiliser ce produit là. Alors ce produit là c'est le produit le plus efficace sur cette gamme, c'est le Resurfacing Cream, la crème resurfaçant ou resurfacing. Alors ce produit-ci contient du rétinol qui est en fait un dérivé de vitamine A, donc qui fonctionne super bien contre l'acné, les boutons. Alors ce produit-là, il va en fait peler la peau morte. Ça va vraiment fonctionner sur les taches en combinaison avec celui-ci. Donc celui-ci, c'est le Spot Treatment. J'avais acheté 3 produits. Ces 2 produits-ci et le gel nettoyant qui contient de l'acide salicylique. Pourquoi? Parce que l'acide, en fait, combat tout ce qui est bactéries, tout ce qui est boutons, acné
et ça a super bien fonctionné sur moi. Mais les deux produits vraiment qui ont bien fonctionné, c'est ces deux produits-là. Alors pour la crème, pour le produit, le Resurfacing Cream, il faut faire très, mais très attention en l'utilisant. Surtout pas l'utiliser autour des lèvres, autour du nez en fait, et autour des yeux. Il faut faire très attention parce que ce produit-là irrite le contour des yeux, le contour des lèvres et le contour du nez. Donc, il faut aussi avoir, faut vous préparer en fait, faut avoir parce que la vidéo que j'avais regardée de la fille en fait, elle, ça, en fait, ça avait bien fonctionné sur elle parce qu'elle avait acheté toute une gamme. Il y avait en fait le sérum, il y avait l'huile, quelque chose comme ça. Mais j'ai regardé sur plusieurs vidéos et les personnes disaient que les produits en fait qui fonctionnent le mieux, c'est ces deux-ci. C'est pour ça que moi, je n'ai pas vraiment en fait, je ne suis pas partie sur d'autres produits. Aussi, ce qui est bien sur leur site, vous avez en fait une conseillère de vente, une conseillère qui est là. Vous pouvez en fait lui parler et envoyer vos photos ou faire une vidéo en fait, donc avoir une consultation, c'est quoi encore une consultation, mais en fait s'entretenir en fait avec avec elle, comme ça elle va vous conseiller la meilleure gamme adaptée à votre type de peau. Donc voilà pour mon produit chouchou que j'adore. Donc comme je vous ai dit, si vous achetez que ces deux produits-là ou c'est les trois produits que j'ai achetés, il faut rajouter même dans une autre marque un sérum et une huile pour le visage pour pas vraiment irriter votre peau. Alors comment est-ce que j'ai utilisé ces deux produits-ci? Alors j'ai utilisé ces deux produits-ci sans huile les deux premières semaines, non, le premier mois sans huile de visage parce que je voulais vraiment l'effet peeling, je voulais vraiment que ça travaille sur les taches d'hyperpigmentation parce qu'en fait vous avez, en fait quand vous utilisez ces produits-là, il faut rester à la maison. Parce que vous allez commencer à piler en fait, vous allez commencer à avoir un peu d'irritation, mais d'irritation si vous mettez juste de la crème après ça passe, hein. C'est pas quelque chose de grave, mais surtout faites attention, le contour des yeux, ne mettez rien, le contour de la bouche, ne mettez même pas, n'arrivez pas là, sincèrement, sinon ben, vous allez avoir des effets négatifs, mais après 2 jours, 3 jours, ça se calme quand même. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ce produit-là si vous souffrez d'acné, si vous souffrez de taches, si vous avez un produit qui va estomper votre, vos problèmes d'acné, d'hyperpigmentation, qui va en fait enlever la peau morte, la peau foncée d'hyperpigmentation pour vous donner un teint clarifiant. En fait, je vous conseille vraiment cette gamme-ci, Perfect Tone. J'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que ces produits-là vont vous aider et vous allez vous retrouver. Pour le prix, c'est un bon prix en fait pour cette gamme-ci. Alors moi, j'ai pris le 30 ml 2 fois, mais je pense qu'ils ont aussi le 50 ou le 60 ml. Donc, je vous conseille de prendre le grand flacon si vous avez un budget assez large. Si vous voulez seulement essayer, tester, prenez le 30 ml, mais il faut savoir que bah, si vous n'avez pas accès à ce produit-là, vu que c'est ils expédient seulement aux États-Unis, donc je vous conseille de prendre le grand flacon. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!